Jeudi, c'est mercredi 11 mai 2022. Et titre le son pour jeudi, c'est le fils de la promesse. Non, pas c'est frère Jorab Etienne. Fais mes yeux, tout. En nous prier ensemble, papa, mon Dieu. Seigneur, papa, nous qui dans le ciel là, mes petites qui dans la présence, nous ensemble pour nous étudier parole. Papa, nous pas ouvrir parole pour nous étudier une autre fois encore. Seigneur, semaine ça, apprendre nous en pile bagage sur la vie serviteur ça qui c'est Abraham papa mais est-ce que histoire ça est capable de servir nous leçon ça est capable utile nous pour aider nous préparer nous pour lorsque retourner pour nous capable croiser ensemble avec vous et monter ensemble avec vous fais nous grâce assistez nous pour l'autre fois encore nous prions au nom de Jésus amen. Bonjour, bonsoir, amis. C'est un plaisir pour nous ensemble avec vous chaque jour pour nous étudier ensemble parole, mon Dieu. Pas oublier semaine, ça n'a étudié leçon 7 là, qui est pour titre l'alliance avec Abraham. Leçon 7, l'alliance avec Abraham. Verset n'a médité sous lui pendant toute semaine ça. Nous trouvons dans Genèse 15, verset 2, il dit, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Zabim, c'est toujours avec que nous remplissons avec joie, nous ensemble avec vous chaque jour, pour nous étudier ensemble, parole mon Dieu. Alors, verset à mémoriser ça, nous te font bon petit parler sous lit, dans l'introduction de leçon, il est important, faut regarder leçon l'une après l'autre, pour capable bien maîtriser ça, cap développer dans leçon pendant la semaine. Qui est un petit temps pour moi remercier vous. Qui est toujours là chaque jour, qui a étudié, qui a partagé. Moi, toujours, je me dis ça. Leçon, ça, il y a deux bagailles pour te pour vous, en tant que chrétien. Premièrement, relation personnelle ou avec mon Dieu. Ou chanter, ou prier. Il y a chanter sur le canal là pour chanter. Ma brave Rosa. Ou chanter, ou prier. Maintenant, ou vini, ou chita bien paisible pour étudier parole, mon Dieu. Et deuxièmement, lorsque vous partagez vidéo ça avec un autre monde, ou participez dans l'évangélisation. C'est ça que fait ma mode qu'on est à. Crampé vidéo, hein? Prends l'éclat, voyez le tout côté ou gain moun ou connaît qui ka intéressé à parole bon Dieu. Alors, dans verset à mémoriser, hein, nous sommes tous ça. Abraham mande bon Dieu, qui est-ce qui pourra l'héritier? Est-ce que c'est Eliezer? Grande nation, ça bon Dieu a parlé là, parce que le pourquoi gain petit. Maintenant, faut que moi dis dans l'époque là, t'es gain loi même qui te dit ça. Sou pa gen petit serviteur ki la kayou an c'est li ka periti yo et hier nou te wè et le signe de l'alliance bon Dieu te bay Abraham yon signe li te vini le fait alliance avec Abraham li changer nou Abraham li changer nou Abraham en Abraham li changer nou sa li changer nou Sarai en Sara. OK, lorsque bon Dieu fait alliance avec petite li, li changer nom, changer nom veut dire changer caractère, changer moun ou vin yon nouvelle personne. Et nous te dit hier longtemps si dans ce moment Abraham nan si alliance c'était circoncision et jodi an si alliance c'est baptême. Et avant hier nous te ouais et Sarah t'a demandé Abraham pour t'al coucher à Agar pour être capable gon petite pour promesse ça t'est accompli ça encore c'est ton loyauté dans l'époque là t'es un principe qui te dit ça que si ou gain ou pas qu'à faire petite ou gain servant tout ou qu'à coucher à servante là pour capable ça dit tout ça ouais Abraham dit Sarah dit tout t'est rentré dans la loi mais c'est pas la loi de Dieu et je dis le fils de la promesse. Hier nous te dit lorsque bon Dieu paraît, il commence à parler avec Abraham, il finit changer nous Abraham en Abraham, l'a parler ensemble avec lui. Maintenant Abraham t'a espéré c'est Ismaël qui pourra aller et fils de la promesse. C'est Ismaël promesse va l'accomplir sur lui. Bon Dieu dit non, m'a béni Ismaël mais c'est pas Ismaël. Pour l'amour que vous m'a béni Ismaël. Même les ça va Ismaël va pourtant pile problème dans la vie, m'a béni Ismaël. Mais, promesse ça, il n'est pas accompli en Ismaël. Et je dis, à nous voir le fils de la promesse. Il y a noté, ouais, Abraham, son œil qui était obéissant à sa bon Dieu, mandé. Parce que bon Dieu mandé pour le circoncis, li circoncis. Li circoncis, tout le monde net, Ismaël était circoncis.
Même Abraham était circoncis. On lit ça dans Genèse 17, verset 23. Genèse 17, verset 23. Abraham prit Ismaël, son fils, tout ce qui était né dans sa maison et tout ce qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncit ce même jour selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham, y aurait les Abraham papa la foi. Abraham son nèg qui fait pile sac pas bon dans Dieu, bon Dieu. Mais Abraham son nèg, la vie Abraham est important pour nous, pour nous prendre comme exemple. Parce que même Jean Abraham nous tomber, mais ça pas empêché nous obéissant à sa bon Dieu dit. Abraham là, Noé, il fait exactement ça bon Dieu dit. Et dans verset 24 là, il dit nous Abraham âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Abraham circoncis lui-même tout parce que c'est ça bon Dieu t'a demandé. Verset 25, Ismaël son fils était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham circoncis ainsi qu'Ismaël et son fils. OK? Abraham là, li son est qui respecté sa bon Dieu mandé. Maintenant, dans même logique, yon est qui fait parole bon Dieu confiance, yon est qui obéissant, nous dit comme ça plutôt, yon est qui très obéissant. Bon Dieu dit si concile pas besoin qu'on elle va le faire, il va le faire douleur, il va le faire mal, li si concile. Hier nous t'ai expliqué qui ça circoncision est et maintenant bon Dieu vient visiter Abraham. Abraham recevoir visite bon Dieu parce que le Seigneur est qui obéissant et qui dit nous ouais matin après-midi à soir ou capable recevoir visite papa bon Dieu lorsque ou son monde qui obéissant et ça fait m'a demandé vous t'en prie obéis à sa bon Dieu mandé à nous garder comment visite ça te Genèse 18 verset 1er rivé dans verset 15 texte un petit Jean long après sinon ka gétan li un bon parti la donne parce que maintenant nous pas presque le texte même Genèse 18, alors, moi pas li ensemble avec vous, mais moi espérer que vous même ou li. Genèse 18, verset 1, rivé dans verset 15. Li dit, l'Éternel, alors, dans même objectif, après circoncision, Abraham obéit à sa bon Dieu mandé, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Nous t'as qu'à comprendre, c'est un groupe, il fait chaud, Abraham chita devant tente là. Bon, on en dit vers midi, comme ça, soleil la chaud, et dans le désert, Abraham y est. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Abraham, ou est mon yo a venu de loin? Abraham, gade li, leve tete li, ou est mon yo, li pete kouri la jwen yo. Et rive, li met à genoux, li posterne devant. Abraham, gon capacité pour le connaître lorsque ses serviteurs, bon Dieu, qui visitait, lorsque li croise avec un serviteur, bon Dieu, li gen capacité ça, nous songe avec Melchizedek, li te ouè en Melchizedek. C'est yon serviteur du Dieu vivant. Et là, même la leçon a dit nous, Abraham pas connaît qui est moun yo. Bon, nous n'ab d'accord avec li wè moun yo de loin, levé tête, li wè moun yo. Li pas connaît qui est yo, mais il pété courir la jeune avec. Il est arrivé, il posterné et il était comprendre que c'est visite bon Dieu que il était recevoir. Et leçon a mentionné pour nous dans désert là, il pas facile pour moun recevoir visite. Visite rare dans désert là mais Abraham gade li wè moun yo ap vini li ale à la rencontre de moun yo bon nan désert là c'est sûr moun yo ka fatigué moun yo ka bouqué ou konn wè en dehors lorsque moun nan ap sorti on côté à pied pour aller non l'autre côté et gen plusieurs kay li passé li ka bo ti blo li ka fon chita en bon pied pour aller reposer Abraham getan senti moun sa yo ka besoin ça et ki sa Abraham al fait qui ça Abraham fait Abraham dit pas passer loin rete ponti repos et verset 3 verset 4 permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette table ponti reposer en bas pied bois ça j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur
Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Monsieur, Abraham dit, monsieur, regardez, font-ils chita, font-ils reposer, m'bal font-ils bonbon pour nous, m'bal font-ils bah, pour nous manger. Regardez, parce que c'est pour ça nous passer dans la zone, nan, m'a prend soin nous, et puis après ça, nous parler. Et si nous lisons, reste texte là, après Abraham a livré. Abraham a levé, l'a dit Sarah, regardez, préparez, on nous prend farine là, prend farine, prend bagaille qui plus précieux pour lui, les préparer manger pour le porter pour mon yo. Et leçon a souligné ça pour nous, Abraham son nèg qui ont une hospitalité enragée la cali, son monde qui connaît apprécier monde, son monde qui connaît aider monde, son monde qui prend ca monde. Abraham son monde qu'on salité et là Abraham la cali li recevoir les anges de Dieu. Et dans le son a fait mention ça pour nous, Jésus mandé pour nous aider moun ki nan nécessité. Jésus lorsque li était sous la terre, li était plus identifié li avec moun ki pi faible, moun ki plus nan nécessité. Nous ta ka di là moun sa yo fait tout pour que ça, yo vraiment nan besoin. Abraham, regardez, ça l'offre yo là, c'est bagay kap utile, c'est bagay yo besoin même. Le comportement d'Abraham envers les étrangers célestes deviendra un modèle inspirant d'hospitalité. C'est ça, m'sodjo, Abraham gon hospitalité enragée la kali. En effet, l'attitude de révérence d'Abraham transmet une philosophie d'hospitalité. Faire preuve de respect et d'attention envers les étrangers n'est seulement pas qu'un beau geste de courtoisie. La Bible souligne, c'est un devoir religieux. Frères et sœurs, Abraham qui était un bel exemple pour moi ensemble avec vous. Toute semaine on n'a pas prendre dans la vie Abraham. Abraham c'est pas une équipe parfaite qui existait. C'est une équipe tombée, il levé. C'est pas une équipe parfaite qui existait. Là, nous gon bagarre pour nous apprendre Kai. Nous gon l'autre bagarre encore pour nous apprendre qu'Abraham hospitalité. Et Jésus dans Matthieu 25, verset 35, moi invite au lire ensemble avec nous. Matthieu 25, nous allons retourner dans notre Genèse, on met Kembel, mais nous lisons Matthieu 25, verset 35. Son texte est très intéressant, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, ça c'est Jésus qui a parlé, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Lorsque mon Jésus qui côté nous était wow, maintenant chaque fois tu fait on bagaille ou tu au monde qui était nu ou tu aidé au monde qui était grand goût ou ba manger yon monde qui était dans prison ou visité yon monde qui était malade ou aidé c'est à Jésus ou tu fait. C'est ça que fait lorsque nous fait du bien à monde qui dans nécessité nous fait yo à Jésus nous fait yo pour Jésus. C'est un côté fait Jésus du bien, c'est un côté fait le ciel du bien. Même les en pile fois alors fait bien c'est mal qui vient joindre nous pas miser sur ça, pas garder sur ça, plus garder comment Jésus lui-même la recevoir bien ou fait là. OK, pas garder ça mon pral dit ça mon pral fait, ou garder si me fait Jésus bien, Jésus a content. Et bien quel que soit Jean lié depuis ou joine ou de bon Dieu maintenant mais ou gen moun qui nan nécessité pour aider, c'est pour aider parce que nous gen exemple ça Abraham qui était pour nous. Et yon l'autre bagay qui mentionné dans texte encore les anges débarqué nous toujours dans verset 18 chapitre 18 là lorsque anges débarqué yo fin manger ba ça yo et puis yo mandé Abraham côté Sarah. Abraham dit mais Sarah nan tante là, alors lui dit où est Sarah ta femme? Il répondit il est dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Sarah attendait Anjou avec Abraham. Bon Dieu qui a parlé. Il attendait, il dit, libre le grand petit. Pendant l'air, elle attendait. Sarah ri, Abraham et Sarah étaient vieux, moun yo te grand monde. Sarah avançait en âge et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants.
Elle rit en elle-même. Sarah rit dans le cœur même. Sarah, c'est tant que Sarah sourit, mon yon va même tende même, nous t'as dit le bon ça. En disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs, mon Seigneur aussi vieux? L'Éternel dit à Abraham, Sarah parle dans le cœur, lui. Maintenant, l'Éternel, dans trois mondes qui t'ont visité Abraham, il y a aussi bon Dieu. Même l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Maintenant, Sarah attendait, Sarah dit, non, m'a ri. Bon Dieu dit, oui, ou ri, ou pas, nous menti. Sarah menti en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Et quand il retourne dans verset 14 là, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je viendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Pas gagné qui est possible pour mon Dieu. M'a retourné Abraham et Sarah à gros petit. Visite là Abraham recevoir, c'est pour confirmer. Regardez, puisque son est qui obéissant, moi vini là car même pour me dire que Sarah va grand petit. Voilà, mon Dieu pas d'accord mon bail menti. Bon Dieu dit, Sarah, oui, ou menti, ou ri, ou dou pas ri. Ou ri, moi, je m'en avec nous, ou pas menti. Nous devons croire dans la parole de Dieu. Nous devons croire lorsque bon Dieu dit yon bagay. Parce que bon Dieu, regardez, quel que soit le bon Dieu dit la fond bagay, il prend temps, la fête quand même, parce que bon Dieu pas bah, menti. Frère, soeur, mes amis, dans le son jeudi, nous apprenons tout. Bon Dieu qui visitait Abraham, c'était une anticipation de Christ, de Jésus qui vient pour quitter le ciel là, pour venir sur la terre, pour habiter avec les humains. Bon Dieu qui quitter le ciel là, quand Abraham lui chita, lui manger, c'était une forme pour expliquer Jésus qui vient pour venir sur la terre, pour chita, lui manger, lui dormir, lui travailler, lui bénisse, lui aider des monde, lui pêcher poisson, lui faire toute bagarre. Maintenant, Jésus, ça, lorsque il était sur la terre, il était plus identifié, il était plus resté collé bon côté monde qui plus faible. Il était plus attaché à monde qui plus faible. Il était plus identifié à monde qui plus faible. C'est-à-dire, si vous cherchez Jésus, vous humilier monde qui plus bas. Vous cherchez Jésus parce que Jésus, vous plus joindre côté monde qui plus bas. Que moun ki gen plus moyen. Frère, soeur, mes amis, qui dem zon bagay. Là, promesse pat Ismaël, promesse c'était Isaac. Malgré Sarah à Abraham, Abraham qui est si grand moun, mon Dieu, te fait miracle là, opéré dans la vie, yo te fait Isaac. Et matin, après-midi à soir, mon Dieu va faire miracle dans la vie. Mon Dieu va faire Sarah. Bon Dieu, il faut yon Abraham. Mais au besoin, qui ça, obéissant. Matin, bon Dieu, vous voulez visiter, vous voulez rentrer la caille, vous voulez chita la caille. Mais au besoin, qui ça, obéissant. Au besoin, préparer caille là pour bon Dieu. Lorsque bon Dieu vini, pour ouais, c'est bon Dieu. Au besoin, préparer l'esprit. Ou pas cap tendre n'importe bagay. Ou pas cap parler n'importe bagay. Ou pas cap manger n'importe bagay. Au besoin, préparer pour recevoir le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Vous prêt pour recevoir Jésus matin? Vous prêt pour recevoir visite Jésus matin? Eh bien, Jésus a visité au matin. Demain, si je veux, c'est pour l'eau et Sodome. Il y a une belle partie de leçon que vous ne pouvez pas rater pour rien faire. Mais je vous remercie de tout. Nous prions, Papa, mon Dieu. Seigneur, Papa, nous qui sommes dans le ciel, merci. Merci pour belle leçon vous pour nous matin. Papa, pas que des paroles rentrent dans nos oreilles, sortent dans l'autre oreille. Non, aidez-nous pour rentrer, pour transformer nos gens. Fais ça pour nous, Papa. Nous prions au nom de Jésus. Amen.